Hey, salut tout le monde, c'est Tonzo4 sur Pixel Family. J'espère que vous allez bien, on se fait la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, non 5 même. Bon, je sais plus, 4 ou 5, de Jurassic World Evolution, le DLC, retour à Jurassic Park. On s'était laissé sur une vue de ce stégosaure, on reprend sur la vue du stégosaure. En fait, je coupe la vidéo et je relance une direct après. Voilà, là, je suis comme ça, j'ai un peu de temps, donc j'en profite. Donc là, on était toujours en train de faire notre pteranodon pour pouvoir le mettre dans notre volière et continuer la mission. Voilà, donc en plus on a encore de l'ambre. Nickel. C'est nickel, c'est nickel. On avait mis la vidéo précédente aussi, les conditions de la tenue. Ils sont mis microscopiques, c'est marrant, j'aime bien. Je sais même pas si on les voit réellement. Bah, du coup, à mon avis, dès qu'il y a un Jésor qui passe dans cette zone-là, qu'il soit grand ou pas, on les voit quand même. Ah, un Jésor mort. C'est encore un Gallimimus. Ouais, ils vivent pas longtemps, les Gallimimus. Ils vivent pas longtemps, les Gallimimus, donc. Parce que, attendez, je regarde. La note de 83... Ah, donc en fait on doit faire plusieurs pteranodons pour qu'il ait une note en tout de 400. Ce que je propose de faire, c'est une petite ellipse en attendant qu'on a les pteranodons. Ouais, on va faire ça. Donc à tout de suite. Et donc ça y est, tous les pteranodons sont prêts. Donc on va les relâcher dès maintenant dans leur volière. Oh. Petite caméra de surveillance en général. Ouh le voilà. Oh, en plus il va vite. Oh nickel. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un pteranodon. Ça fait plaisir. Hop. 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 Il y en a un autre qui arrive là. Lui en dessous. La porte qui va s'ouvrir, je pense. J'en ai fait 5, hein. Parce que, pas de bol, c'est 98%, 98% en autre. Sauf qu'il en faut 400, donc j'en ai fait 5. Il y a un autre là, une chaise armoire par contre. Encore un Gallimimus. Alors, j'étais en train de les faire. J'étais en train de faire mes Gallimimus. Un peu tout là-bas. Voilà, donc on reprend Gallimimus, la Stegosaure, et au plus Céphalus, et une plante. Recherche toujours rien, je crois. N'allez pas croire que je ne remarque pas les efforts que déploient mes employés. Je vous assure que j'en suis bien conscient. Oh, une mission qui arrive. Ah, donc non, plutôt la mission qui se termine. Non, plus qu'une mission à la fin. Plus qu'une mission. Après, on a gagné plein de choses, ça fait plaisir. À tout de suite, faire. La satisfaction du travail bien fait devrait être une récompense en soi, mais acceptez tout de même ceci en gage de remerciement. J'espère que cela vous plaira. Nickel. Une nouvelle mission, bien évidemment. Que faisons-nous à part augmenter la population de dinosaures et d'humains? Deux types de vertébrés nés sur une même planète, mais appartenant à deux mondes différents. Ça tient des miracles. C'est un rêve, Docteur Malcolm. Le rêve de voir des dinosaures arpenter à nouveau la Terre. Il y avait une très bonne raison à la disparition des dinosaures, Ellie. J'ai nommé la sélection naturelle, la loi de la nature. Mais il a fallu qu'un nouveau dieu fasse son apparition. Il porte des chemises hawaïennes et marche avec une canne. Mais c'est bien un dieu. Ce monde appartient à John Hammond, et nous ne faisons qu'y vivre, enfin, y survivre. Nous n'avons pas traversé toutes ces épreuves en vain, Yann. Des créatures merveilleuses en sont nées. Merveilleuses, bien sûr. Le chaos approche, Docteur Sattler, mais j'admire votre optimisme. Donc, ça va être compliqué que le Tyrannosaure. Donc oui, on doit faire un tyrannosaure dans le parc.
Nous devons profiter du succès de notre parc pour grandir et atteindre le seuil de fréquentation cible. Incubé, transféré et placer un tyrannosaure dans un enclos devrait nous permettre d'y parvenir. Donc ça, on va le faire. Mais... quoi, on peut déjà faire le tyrannosaure, je veux juste voir les pterodons, tout, comment ils allaient. Comment on fait déjà? Bon, la caméra, simplement. Bon, on l'a vu. On peut faire ça. Un pterodon là-bas. Ah là. Il va peut-être un plus haut, mais je sais pas trop. Il y en a un là-bas aussi. Ils sont tous posés, ils volent pas trop. Hein. Là, et d'ailleurs, je me pose la question. Quand ils sont libérés, comment ils font? Parce qu'on n'a pas d'hélicoptère. Comment on va faire pour les recapturer? Pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça, par contre. Nickel. Une recherche terminée. On se la refait. Du coup, on a la caméra. Je sais pas à quoi ça sert, par contre. Ça, quoi? Enfin, on va se pencher sur le tyrannosaure. Caméra. Débloque le mode caméra pour la visite du parc. Ça, quoi? J'y vais savoir. Ah d'accord. Donc, prendre une photo. Ah d'accord, vision nocturne. Quand il fait nuit. Encore toi. Donc, j'ai l'impression de te voir tout le temps. Non, prendre une photo. Ah ouais d'accord. Vous êtes censé de travailler, pas regarder, vous êtes au courant les gars. D'accord, bon. Ok, on peut prendre une photo. On peut peut-être prendre une photo aller de la voiture en face. Waouh, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faire enfin, la tout, mais c'est... oui, d'accord. D'accord. Bon, bah écoute. Le tyrannosaure, oh, on peut le trouver là, mais bon, c'est pas... tyrannosaure Rex. Il fera sérieux. Bon. Il va faire aussi celui-là. Gallimimus. Corythosaure. Eupicephalus. Et un nouveau truc qui apparaît. Nickel. Donc le 800, on est pas loin. Par contre, j'ai mis, bah, justement là, j'ai placé quelques panneaux et comme par hasard, les dinos se sont ont tous bougé quoi. Par les brachiosaures qui restent un peu au même endroit. Donc à la limite, le panneau que j'ai placé pour brachiosaures est encore bon. J'ai mis Triceratops là, bah maintenant ils sont n'importe où. Par hasard, j'en ai mis un là, ils sont venus par là. Fin... ils se sont éparpillés. Donc j'ai bien, ils marchent. Bon. Je voulais voir, oui, j'avais placé des toilettes aussi. Enfin, là, c'est un coup de cœur aussi que j'ai rajouté. Et les toilettes là, parce qu'ils en ont besoin. Voilà, toilettes. Nickel. Tiens, alors. Je comptais le faire comme dans le film, donc un bel enclos, mais je sais pas comment faire. Ça, un gros câble quand même, c'est le T-Rex. Si tu as un truc comme ça. Quoique ça fait petit, attends. Ouais, sachant qu'il y a de la marge pour les autres dinos. Non. D'ailleurs je pense, en fait non, je pense pas le mettre de ce sens là. En fait je pense plutôt le faire de ce sens là. Hop, on va monter jusqu'à là. Ah d'accord. ouais, imaginons, on va faire un truc là. Je sais que c'est sans électricité, ne t'inquiète pas. Jurassic Park est bien plus qu'un simple projet de conservation. C'est un moyen pour nous de reproduire un mode de vie. C'est une tâche difficile et qui nécessite effort et succès. Vous avez assuré, bravo. Petit problème, je ne me rappelle plus, c'était quoi la mission? Bon, je pense que ça fait un sacré temps clou hein, quand même pour notre T-Rex. On va en mettre les voitures juste après. Hop, là c'est terminé, on relance quand on fait. C'était où? C'était là, Tchernozor, ouais. Là, on a eu Tchernozor aussi, là. Ouais, Tchernozor était à 37%. On refait. Hop. Voilà.
dinosaure, Styrogozaur qui était fait. Velociraptor, on peut pas faire Velociraptor non plus, il semble. On a des Velociraptors, mais vraiment, on n'a aucune interaction avec eux. On peut même pas en refaire, il semble. Ah si. Ah si, on peut faire comme des Velociraptors, donc ça c'est bien. Bon, évidemment, il faudra qu'on les place dedans, hein, mais bon. J'aurais bien aimé faire un sort d'enclos en rond. Et faire comme dans Jurassic World avec Blue, Charlie, Alpha, Delta. Je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Sachant que maintenant il y a un petit DLC qui va sortir avec le skin des Raptors comme ça. Mais... sinon. Claude T-Rex limite, là je pense faire Spinosaur. Parce qu'il y a un peu d'eau. Avec Baryonyx entre les deux. Peut-être Ceratosaur. Sauf qu'il y a que ça pour terminer de toute manière. Éviteur. Non. Oh, je me trompe de touche. Je me trompe tout court. Donc ça, Baryonyx, c'est ça. Ah, m'entrer un Cotosaur, c'est vrai. Tyrannosaure et tout ça. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup non plus de carnivores. Hein. Limite, il faudra agrandir encore l'enclos du T-Rex. Hein, pour la faire Spinosaur. Quand ça s'appelle Baryonyx. Montrer un Cotosaur. Enfin, là, je ferai agrandir à fond les enclos. La dinosaure mort, Gallimimus, encore une fois. Je crois que j'en fasse pas mal. En vrai, j'ai encore m'agrandir un enclos du Tyrannosaure en fait, petit. Et bah, au pire, vous savez quoi? Je pense que je vais faire une ellipse. Je vais me faire déjà tous les enclos. Voilà, comme ça, je serai tranquille. J'aurai déjà mon plan. Je saurai quoi en faire et on se reprendra. On se reprendra dès que j'aurai mis les enclos. Et pour la même occasion, le T-Rex quasiment prêt à sortir, limite, ça sera mieux. Voilà, on fera ça, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'on a beaucoup de place ici. Donc je grandirai sûrement aussi cet enclos. Hein. Limite, je vais faire passer la voiture à l'intérieur, parce que c'est une copie, mais bon. Ils vont la faire. Nouveau, je n'aime pas. Ah, du coup, oui, c'est ça la mission de tout à l'heure, que je savais plus c'était quoi, c'est voilà, chercher un T-Rex. Ouais, on fera ça, on va faire ça. Je relance ça tout de suite et après on va faire ça. Voilà, prélever l'ADN. Cueilleur qui est prêt. Spinosaurus. Ouais. Ouais, on va faire ça. Ce nouveau contrat va nous fournir des données plus complètes, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs. Ouais. Bye. À tout de suite. Donc creux, ça y est, le Tyrannosaure est enfin prêt. Donc on va demander la livraison et j'ai un peu travaillé comme je vous l'avais dit sur l'enclos. Voilà. Faut savoir qu'ici je vais mettre l'entrée en Cotosaure, Baryonyx, Tyrannosaure, Spinosaure. Et voilà. Je constate que j'avais raison de vous faire confiance. Je n'ai jamais douté de vous. On l'aura bientôt récupéré. À peine. On dit Didier les Fosaurs qui sont morts, donc là c'est bon, j'ai fait celui que j'ai dit les Fosaurs qui sont morts, donc j'en ai remis un à refaire, puis j'ai un tréfère un autre et j'ai un tréfère top par contre. Voilà, quoique attendez, ouais d'accord, donc il était quand même à fond et j'ai gagné ce qui termine et le check qui est déjà prêt. C'est magnifique, j'ai le T-Rex. C'est la catastrophe. L'enclos des Vélociraptors est ouvert et les bunkers d'urgence ont été désactivés. Vous pensez à un sabotage? J'en suis sûr et certain, John. Bon sang, mais où est Finch? Vous pensez qu'il est mêlé à tout ça? Bien sûr que non. Douteriez-vous? Je ne veux exclure aucune hypothèse. C'est sûrement plus prudent. Cette fois, il faudrait arrêter l'hémorragie. Fera-t-il biofine? Limiter les dégâts. Oui, allez-y. Faites tout le nécessaire. Nous avons lu les rapports. Ne tournez pas autour du pont. On est dedans jusqu'au cou, c'est ça? Il y a des vélociraptors et des prédateurs alpha en liberté dans le parc. Probablement en train de chasser. C'est plus que probable. Et nos visiteurs font des proies faciles. Nous pourrions essayer de les endormir à coup de fléchette. Ça marche. Demandons à John de fermer le parc avant que les gens ne cèdent à la panique. C'est trop tard, Docteur Sattler. Fermer le parc ne ferait qu'empirer les choses. Relâchez le Tyrannosaure. Les visiteurs en feraient des cibles d'autant plus alléchantes.
Amanda refuserait de fermer le parc, de toute façon. Ah, c'est trop tard. J'ai l'impression d'avoir déjà vu, mais c'est bien quoi sûr. Attends. J'ai déjà vécu tout cela, ici même. Alors il faut les endormir. C'est la seule solution. Il faut que ça marche. Attends, j'ai pas tout compris. Le tranquillisant n'a pas fonctionné. Et pour quelle raison? Ces vélociraptors ont été modifiés. Génétiquement, j'entends. Alors, vous voulez dire que ce sont des mutants? Des spécimens uniques d'une séquence bien particulière d'ADN de vélociraptors. Des mutants, donc? Les saboteurs ont dû modifier leur ADN afin de les immuniser contre les tranquillisants. Quelqu'un s'en prend à Jurassic Park de l'intérieur. Et retourne ses résidents contre nous. Alors c'est grâce à eux que nous allons nous en sortir. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Ellie? Le tyrannosaure. Il faut le relâcher. Oui, mais non. On ne relâche rien du tout. Le chaos, Yann. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Il nous a sauvés par le passé. Il voudra tout de suite s'imposer. Ce qui signifie qu'il s'en prendra au Vélociraptor. Pas comme ça. John Hammond nous a bien dit de faire tout le nécessaire. Eh bien, le nécessaire passe par un tyrannosaure. Je déteste cette île. Grosse galère. On doit relâcher le tyrannosaure dans notre parc. Comment te dire? Personne n'est mort, ce qui est une très nette amélioration par rapport à ma dernière visite de Jurassic Park. John, ça vient tout simplement d'une autre mission. Ou tout au moins soulagé. Ça vient d'une autre mission, c'est pour ça qu'il dit cela. Vite par Arthorophus, sous PPP. Ah, c'est que j'ai oublié aussi cela. Ah, c'est où par Arthorophus? Et j'ai le bigué, c'est pas possible, attendez. Oh, il est juste là, wow, la vache. Donc le tyrannosaure. Donc on va relâcher le tyrannosaure dans le parc. On va le mettre là, quand même. Et il rentre. Oh, il rentre dans leur coup. Oh, l'avantage, c'est qu'il y en a deux raptors, alors que j'en ai plus trois. Ah non, le troisième, il est là. Oh, attaque pas la clôture, parce que ça fera du dégât, là, si tu rentres dedans. Ah, puis j'ai encore un dilophosaure de mort, alors. J'ai trop de dinosaures qui vont. Attends, on peut pas améliorer, capacité de la couveuse. Hop. Pardon, le fuite. Attends, je crois. Dilophosaure. Il y a encore un triceratops, et après je rajouterai le pardon, le fuite. Ah, sérieux, lâche le tir dans le truc. C'est fort, ça. Ouais, ça c'est fort. On peut toujours pas activer les bunkers. Non. On va faire des dégâts. T'as intérêt à Jack. Bah, pour le moment, il va dans la bonne direction. Va tout droit. Ah, il est magnifique, ma poche. Ah, il est magnifique, Jack. Un raptor qui vient de passer là. Dilophosaure, il y en a un qui est prêt. Nickel, donc on rajoute le parasaure. Encore un dilophosaure. Voilà. Oh, sérieux, sérieux. Ah, je m'y attendais tellement pas à cette mission là. J'attendais tellement pas. Oh là là. Ah puis une autre mission. Allez, gagner. Oui, bah, pas de problème. Ça va être compliqué parce que je vais avoir des morts. Ce contrat ouvrira de nombreuses portes. Pour le parc, pour vous, oh, okay. Et même pour les dinosaures. Oh bien. Ah oui, regardez les missions. Tout le monde y gagne. Il faudrait vraiment être bon. Oh, c'était magnifique. Les dinosaures ont soif de sang. Mais ce n'est pas une raison pour les priver d'eau. Faites en sorte qu'ils soient tous bien hydratés. Genre qui a soif?
qui a soif. Je ne sais pas c'est qui a soif, mais c'est peut-être le raptor. Ah, c'était peut-être le raptor aussi qui devait bien avoir soif. Ah, c'est eux, bah oui, forcément. Mais eux, vaut qu'on meurt. Ensuite, par hasard. Par hasard, l'office. Il y en a un là, mais est-ce qu'il est pas tout seul, lui? Ouais, non. Ah, il se resépare, par hasard. Clôture endommagée, genre, qui a tapé sa clôture? Oh oh, ah, non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux que toutes les unités disponibles... non, enfin, ouais. Il faut pas qu'il rentre dans cet enclos-là. Limite, il rentre là, ça me donne un choix, il y a personne. Mais il rentre là. Par contre, par hasard, c'est un peu bête. Je suis encore séparé. Bon, c'était avec ma faute que j'ai peut-être mis des certains par hasard un peu trop près. Non, je sais pas trop. Très certain, par contre, j'ai pas fait gaffe. Et où ils sont? T'inquiète, il y en a là, on va passer par là. En attendant que le T-Rex il chasse, j'aimerais bien qu'il chasse un peu plus. Attaque la clôture, non! Ça, le T-Rex il pourrait un peu plus attaquer, je trouve. Hein. Des pachycéphalosaures aussi, ils m'ont demandé. Où j'en placer à un certain endroit. 39, 100, il faut attendre, voilà, c'est bon, nickel. Encore un dinosaure mort. Qui est mort? C'est qui est mort? Ah, un triceratops qui est mort de vieillesse. Ah, c'est sûr que tous les dinosaures vont mourir d'un coup puisque... Oh, Dieu. Attention à cette scène. Non. Attendez, attendez, attendez. Hop. On va faire un mode photo. Je vais prendre la légende. On va se mettre là, je trouve. On va faire des laits. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de combat entre Raptor et T-Rex, qui m'embête un peu, parce que sur Sastinil, j'ai vu les T-Rex avec les Raptors, du coup ils vont se faire petit, Raptor. Les Raptors, sur le coup ils grimpent. Ceux qui savent. Je suis boum, machin un peu. Il y a un raptor, moi, ça fait plaisir. Nickel, donc là, déjà toi tu dégages. Oh, j'ai trois dinosaures morts. Un triceratops, on avait dit, hein, toujours. Oh non, on casse pas les enclos. Et les bêtes ils cassent là alors que j'ai ouvert là. Enfin bref. Et j'ai vu que j'ai 3 morts, donc je suis les 3 morts. Ah, j'ai encore un par hasard qui est mort. Ah, ils se sont séparés. Je vais les rendormir après. J'en endormirai pour faire un... refaire mon coup. Ah, j'ai un paquet céphalosaure qui est mort. On dit paquet céphalosaure, hein, par formation, pas pachy céphalosaure. Pas qui c'est le hasard. Par hasard on a dit oh puis comme de par hasard un truc certain c'est malade. Non. R. On va prendre le deuxième. Il a quoi lui? Il a la tuberculose. Ouais. Ah, par contre le problème c'est que le raptor il est loin. Il est loin donc pour le faire revenir ça va être compliqué. On va aider le T-Rex, on va l'amener. Échec de l'incubation. Non, en fait tu vas pas faire ça. Tu vas protéger ça.
Oh non, la galère, la galère, la galère. Le raptor a ouvert l'enclos. Oh non. C'est très insuffisant. Jurassic Park devrait être un succès retentissant. Et pourtant, les chiffres nous disent tout le contraire. Mais oui, mais pourquoi t'es pas avec nous? Satisfait de vos résultats. Ah, on te cherche depuis tout à l'heure. Ah, oh, puis je crois que j'ai encore un triceratops qui est mort. Deux triceratops à faire. Il y a un parasophore. Deux triceratops. Tu vas pas moi. Bon, on va attendre. Nickel, c'est une bonne chose. Endors-moi le T-Rex, s'il te plaît. Mais il faut qu'il rentre. Oh non, il va par là, la galère. La galère, la galère. Là, il va y avoir tout simplement un énorme carnage. Comme il n'y a jamais eu. C'est quand même de l'endormir. Peut-être qu'en espérant que si on l'endort, il va pas vouloir attaquer. Oh, puis il se rapproche des parasaures. Une césarmbore. Gallimimus, donc deux triceratops. Un parasaure et un Gallimimus à faire. Hey. Oh là là, ça a pu. Sécurité, on doit être tellement moche, mais oui. Bah après, j'ai fermé le parc, finalement. Oh, les raptors. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il va boire. Bah, c'est qui le raptor? Ce que je vais faire, c'est hop. Je transfère. Parfait. Non. Là, hop, parfait, nickel. Bah, c'est tuto. C'est parfait. Une détermination sans faille et tous les outils possibles. Voilà ce qu'il nous faut. Quand il est mort, apparemment. Sauf que je vois pas où il est mort. Ah bah là. Alors, par hasard, on va refaire les groupes de par hasard, tout ça. Il mange, hein. Alors, les jetés. Les stégosaures, ça va, ils sont pas trop choqués. Ils pourraient à la limite le tuer le raptor, ça c'est bien. Parce que j'ai peur comme dans le T-Rex, bah, le T-Rex bute les stégosaures. C'est une énorme galère, c'est très 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 galère. Ce qu'il va falloir faire, c'est hop. Endors-moi tous les stégosaures, tu vas les éloigner le plus long possible, s'il te plaît. Ah, le raptor, il revient par là. Enclos. Je sais pas où il est, le raptor. Ah, yes. Ah non, il est passé. Ah, il est passé. J'étudie les dinosaures depuis que je suis enfant. Ma passion est devenue une carrière. Et me voilà à Jurassic Park, en train de remettre en question tout ce que je croyais savoir. Ce nouveau contrat pourrait nous donner des réponses. La cible a bien été transportée. Endors-moi direct le T-Rex, s'il te plaît. Hein, tu seras gentil. Enclos. Là. Est-ce que le T-Rex n'endormi toujours pas et qu'est-ce qu'il fout? Reprendre la dune d'or, vachement. Clou, vite, 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 vite. Tyrannosaure est mort. Il est mort, non. Tout juste endormi.
On va juste remettre les stégosaures debout. Par contre, je me souviens plus nombre de parzards qui me manquent ou quoi. Deux triceratops, faut pas que j'oublie encore. Encore un qui va devoir arriver. Il est tellement content lui par contre. Est-ce que t'en as un qui fout rien? Oui, bah lui, deux fois, il fout rien. Tu veux faire les grands joueurs, s'il te plaît. Est-ce que ils vont enfin se dire combattre? Ils avancent quand même. Hein. Les voitures avancent quand même. J'ai l'impression qu'il faut rien. Ah oui, c'est pas le... Oui, d'accord, je suis trompé. Non, c'est pas grave. Hop, on fait vraiment tout. Aucun accès. Tu te fous de moi? T'as une porte, là. D'accord, donc ouais, tu joues? Tu fais quelque chose? Par contre, j'entends que c'est encore un raptor qui tape. Le check rentre. Attends, clos. Le check ne doit pas être content non plus. Hein. Ouais, ah, il a soif lui par contre. C'est normal. La porte en Suisse, oui. Bon. Je crois qu'on doit faire aussi un deal au Fosor. Bon, toi, c'est quoi qui t'embête? Je peux pas bouger comme il... Ah tu... Ah oui, en effet tu peux pas l'atteindre celle-là. Voilà, c'est mieux. Ça va être mieux. Toi, qu'est-ce qu'il y a le problème? Et en effet tu peux pas y aller non plus. Par le joueur, je sais pas trop où elles sont les bons joueurs par contre. Et ben voilà, et apparemment il y a aussi là. Non, là c'est bon, tu peux y atteindre. Dash confirmé. Est-ce que non, toujours pas. Hein. Hey, T-Rex, dépêche-toi un peu s'il te plaît. On va rajouter une clôture en cas où. Ah mais ah ouais, c'est puissant le T-Rex. Enfin, le raptor. Échec d'incubation, Diophosaur. N'est-ce pas, on se le refait. Il est bête. Lui, ce qu'il veut, c'est casser une clôture, c'est tout. Il a pas un but dans sa vie, quoi. Mais il se regarde, mais... Toi, tu lui. Non, pas je t'ai gilé. La voiture. Aucun problème. Tâche supplémentaire ajoutée. Toi, tu vas mourir. Ouais, toi t'es mort. Donc encore un triceratops à faire. Donc je dirais qu'il y en a encore deux à faire. Ça sert à rien en fait. Je vais complètement refaire le groupe, oui. Par le Brachiosaur qui sont encore bons. Et Stegosaur aussi. Non mais sérieux, enfin. Tuer. Si je mets toi sur tes enfin. Tuez-vous. Voilà, non, sérieux, ça prend facilement. Toi, la voiture. Non, mais c'est la voiture, je m'en fous de ça. Hop. Pas qui c'est pas aujourd'hui, il faut pas que j'oublie.
Bon, en l'occurrence, là, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Heureusement que j'ai de l'argent déjà. Là, qui c'est Fauzor. Et on va s'en reprendre un troisième. Voilà. Ah, oh, puis il revient là pour sortir. Il a fait des trous partout, le raptor. Ah, puis il a refait un trou là. Enfin, bref. One eternity later. Monsieur Hammond sait pertinemment quel rôle j'ai joué. Mais tout de même, félicitations. Cool. Limite, je pourrais... ouais, tant que ce mur-là, je pourrais le déplacer là. Pour qu'il y ait plus de place et que je le sépare en deux. Ça peut être une idée. 7% de ma vie, il va mourir comme ça. Ah, et juste avant. Hop. Saint-Auvent. Ouais, on va juste se réfléchir après. Mieux écoute, si c'est là, non, voilà. C'est là. Équipe de fouille. Oh, c'est pas ça. Équipe de fouille. Non, c'était pas ça alors. Équipe d'expédition. Rendement des fouilles. Rendement des fouilles. Voilà. Du coup, en attendant, on va le Sardosaur, je pense qu'on va le mettre là. On va le mettre là, on va le mettre là en attendant. Ouais, on va faire ça. Puis après, j'ajusterai la chose. Par contre, sérieux, je peux pas mettre une mangeoire là, parce que c'est trop pas dans quel... Waouh. Quelle logique. Et évidemment, la chèvre, hein. Voilà. Plus 0% de vie. Yes, elle est mort. Il est mort, allez. Vous vouliez vous lancer dans le palais au commerce, non? Eh bien justement, j'ai un nouveau contrat à vous proposer. Personne n'ignore que Jurassic Park a longtemps été dans le rouge. Dans le rouge vif, même. Et si on changeait de couleur? Je peux... Ah d'accord, ça c'était simple. Donc le chef il va revenir chez lui. Saratosaur, hop. Du coup on a dit qu'il allait provisoirement là, ici. Et Tilfuzor. Il retourne là-bas. Clôture endommagée. Ah, le T-Rex, on s'en fout. On s'en fout pas, mais il va être endormi. Puis il y a encore des clôtures autour. Ah, message entrant. Nickel. C'est la dernière mission. Ouais.